Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Deus Ex Human Revolution. Nous allons partir en Chine aujourd'hui, c'était ce qu'on va faire, on va faire le contenu de la quête principale. Pour ça il va falloir rejoindre l'héliport. Alors même si notre boss est pas convaincu que ce soit la destination sur laquelle il faut aller pour... Que la FEMA, est impliquée dans, dans toute cette histoire et qu'il vaut mieux les voir en Chine. Nous, on n'est pas convaincus. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même aller prendre l'ascenseur pour se diriger vers l'héliport. Alors, est-ce que je peux y accéder par là? Bon, a priori, j'ai envie de dire non. Il va falloir que je trouve un autre accès, sans doute à l'ascenseur. Ah, il y a un accès à l'hélipad par là, ok. Je ne peux pas accompagner Monsieur Taggart, qui n'est charité ce soir. Je suis obligé d'aller en Utah. À la... Allez, et c'est parti, on va en Chine. Salut Jensen, le patron m'a prévenu de ton arrivée. Tu vas adorer Yangsha. Tu y es déjà allé? J'y ai vécu. J'y ai passé 3-4 ans à travailler dans les quartiers chics le jour et à m'éclater dans des quartiers moins chics la nuit. T'es prêt à partir? Ouais, on est prêt. Oui, je crois. Ça va durer longtemps, Malik? Tu parles du vol ou de tes folles nuits en Chine? T'inquiète pas, on y sera en moins de 2. Monte. Donc allez, c'est parti, direction la Chine, pour la suite de l'histoire. Jensen, si tu veux jeter un coup d'œil, on approche du joyau du Yangtze. C'est une blague. Et comment je fais pour enquêter dans ce truc? Hey, la plus forte densité de petites louches. Accroche-toi, on atterrit. L'adresse que t'as refilé ce mercenaire, Yangsha Court Gardens. C'est pas la porte à côté, c'est dans le quartier du Zhao. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas te déposer trop près. Au cas où Barrett m'ait donné l'adresse en pensant m'attirer dans un piège. C'est le genre de choses que je ferai à un ennemi. Tu veux un conseil? Trouve qui habite là et reviens. Alors du coup, d'après ce que j'ai compris, on n'est pas à côté de notre cible. Qui est à 67 mètres de ce côté-là. T'as vu Ning ces jours-ci? Pas depuis une semaine. Alors, on va regarder un peu la carte quand même, voir où est-ce qu'on est. Ok, on va descendre déjà. Est-ce que vous savez comment aller au Hongrois Hôtel? Alors, je vais continuer par là. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Allez là-bas. Des armes, du matériel de pirates. Qu'est-ce qui vous fait croire que je cherche? Ok. On rentre dans le district concerné. On est ici et notre cible est là. Droite et puis l'artère principale. Ok. Voilà, histoire d'être prêt. Je crois qu'avoir choisi de sous-traiter le maintien de l'ordre à Bell Tower est une chance pour Shanghai. C'est qui?
J'ai pas peur. Tower a bouclé toute la résidence. J'ai besoin de prendre quelque chose dans mon appartement. Je m'en moque de votre opération. Laissez-moi passer immédiatement. Ça suffit avec cette arme. Rangez-la tout de suite. Je peux pas, madame. Circulez, s'il vous plaît. Comment osez-vous? Qui êtes-vous pour m'interdire de rentrer chez moi? Vous savez combien m'a coûté cet appartement? Circulez, arrêtez de troubler l'ordre. Non, là, c'est pas ce que je voulais faire. C'est une erreur de touche, évidemment. Voilà, j'ai lancé une grenade sans faire exprès, a priori. Je cherchais juste à ranger mon arme. Et je me suis trompé de touche. C'est pas grave, on recommence. Alors, je vais pas la sortir cette fois-ci, comme ça, pas de problème. Je crois qu'avoir choisi de sous-traiter le maintien de l'ordre à Bell Tower est une chance pour Shanghai. Je suis sûr que... Ça veut dire qu'il faudra sans doute que je trouve un autre accès, je suppose. Ouais. Bouclé toute la résidence. J'ai besoin de prendre quelque chose dans mon appartement. Désolé, personne ne passe pour le moment. J'ai besoin de prendre quelque chose dans mon appartement. Je m'en moque de votre... Alors, je peux pas rentrer par là, ok? Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un autre accès. Il y a une station de métro de l'autre côté, mais je pense pas que ce soit ouvert pour autant. Opération. Laissez-moi passer immédiatement. Peut-être par là. Salut. Quelqu'un pénètre dans le périmètre, faites une sommation. Il l'ignore, tirez. On ne peut pas prendre de risque. C'est quoi cette question de merde? En quelle langue vous voulez la faire? Alors, on va essayer d'entrer par là. Accès autorisé. Ok. Et on devrait rentrer par ce côté-ci. Bon, maintenant je vais sortir mon arme. Pour l'instant, je sais pas trop si ça m'emmène à la destination où je souhaite aller. Non, a priori c'est pas par là. Alors fallait peut-être que je monte plutôt. Ouais, il fallait que je monte en fait, pas que je descende. Hop là. Donc on va remonter par l'autre côté, c'est pas grave. Hop là, l'ascenseur monte. Il y a plusieurs accès.
j'aurais peut-être dû quand même passer par là. J'aurais peut-être dû rester là-haut. Juste aller voir ce qu'il y a par là avant. Ah, peut-être pas. On est peut-être arrivé à la bonne destination directement en fait. Ok, je suis pas dans le bon appartement. Qu'est-ce qui fout cet ascenseur ? Aucune idée, chef. Eh ben, allez voir ! Cet ascenseur doit rester libre en permanence. Nos experts en ont besoin pour arriver ici et déchiffrer ce disque dur au plus vite. À vos ordres, chef. Hein ? C'est quoi ça ? Ok, il vient par là. Pas forcément en tirer des renforts, donc je vais attendre qu'il arrive pour essayer de le maîtriser. Éventuellement, on va le planquer lui par contre. Que ça venait de par là. Ok, on va pouvoir le planquer ici. Ils sont deux, il y a des choses, trois pardon, il y a des choses qui sont en train de brûler. Voilà, j'ai un peu gâché des balles là, mais c'est passé. Mince, inventaire est plein. Enfin, je regarde. Alors, on va pirater celui-là.
Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Là-haut. J'ai l'impression que je suis mal parti là. Ouais, je vais l'avoir raté celui-là. Même s'il a du mal à passer, ça va être juste. Accès autorisé. Je pensais pas qu'on l'aurait. Alors, des emails. Lettre privée, ok. Transmet à Pritchard, Malik. Le pirate qui nous a attaqués utilise le pseudo Windmill. Son vrai nom est Harry Van Bruggen. Bell Tower a reçu l'ordre de l'arrêter. D'arrêter ou l'éliminer? De toute façon, il a découvert que quelqu'un lui en voulait, et il s'est évanoui dans la nature. Il faut qu'on trouve. Il y a une boîte de nuit près de là où je t'ai déposé, appelée le Hive, la ruche. Tous les truands du marché noir s'y retrouvent. Si ce Hollandais est en cavale, il y passera forcément. Je vais aller faire connaissance avec le propriétaire. Ok. Alors, on a des points disponibles. Attends, je sais pas ce que c'est. Marquage 3.0 affiche une icône sur 3 adversaires au maximum, ok. Ouais, non, hop, pas là, on va aller voir autre chose. Vous savez exactement à quel moment les combattants ennemis interrompent leur état d'alerte. Et vous êtes protégé contre les effets des grenades de suppression. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Et du coup, on va finir pour la vue. Ok. On a la vue au max. J'ai... Dans mon inventaire, il me faut que je libère des choses aussi. Des choses comme celui-là, là, je n'ai plus besoin... J'ai plus de balles de toute façon. Je regarde un peu ce qu'il y a. Bon, ok, on va ressortir d'ici du coup. Et je vais prendre l'ascenseur. Est-ce que ça passe par l'ascenseur cette fois? Et on va quitter celui-ci. Jensen, j'ai pensé que t'aimerais savoir où tu vas mettre les pieds avant d'arriver au Hive. Le proprio s'appelle Tang Si Hung, Tang étant son nom de famille. On dit qu'il est lié aux triades. Les organisations du crime organisé en Chine. Magnifique. Sans les triades, le tableau n'aurait pas été complet. Alors, a priori, je peux pas sortir par là. Hollandais, c'est pas un tocard. Débruite pas! Qu'est-ce que vous faites ici? Aiglez-lui son con! Ouais, c'est ça, je pouvais pas sortir par là. Vous cherchez.
Ok. Bon, on va pas sortir par là, on va reprendre la même route que pour entrer, ce sera plus simple. Alors, on va repasser par là. Et on est arrivé de par là. Jensen, j'ai pensé que t'aimerais savoir où tu vas mettre les pieds avant d'arriver au Hive. Le proprio s'appelle Tang Si Hung, Tang étant son nom de famille. On dit qu'il est lié aux triades. Les organisations du crime organisé en Chine. Magnifique. Sans les triades, le tableau n'aurait pas été complet. Hop, et voilà, on est redescendu sans trop de problèmes. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ensuite ? Eh ben, pour l'instant, je ne sais pas trop, sans doute dans le district d'à côté. Accès autorisé. Ok. Et du coup, on rechange de district pour essayer d'aller trouver la boîte de nuit que l'on cherche. Ok, elle est juste là. Mon pote Les ne paie jamais pour entrer au Hive. Comment ça se fait, il connaît un délire. Quelqu'un nous a dit que l'endroit à la mode est le Hive. Bien, a priori on est devant la boîte. Puis bah écoutez, on entrera ici la prochaine fois, je pense. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on rentrera dans la boîte de nuit pour voir ce qui s'y passe. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.